Salut tout le monde, on est rendu lundi. La dernière fois que j'ai filmé une vidéo, je pense que c'était samedi à la fin d'après-midi. Puis là, on ramène les bales à la ferme, les bales enrobées. Puis vous allez voir les vidéos de drone que j'ai faites. Et puis on ramène ça avec le case Farm Hall 95C. Avec les porte-palettes, parce qu'on n'a pas d'attachement là, avec hydraulique. Là. On n'a pas acheté ça pour le case, mais on peut le mettre sur le case, mais on n'en a pas. Donc là, le problème, c'est que ça fait ça. Ça, c'est un problème. Si je vais mettre du tape, je vais regarder ce que ça peut faire. J'ai scrappé deux balles à date sur 5. On en a 14 à emmener. On a fait 14 dans le champ de 15 autres. Ça n'attendait pas plus que moins de foin. C'était à peu près ça, là, une balle à l'autre qu'on allait faire. Parce que on avait vraiment, vraiment pas gros de foin. Je pensais en faire 6. Donc, on est assez content. On a fait 22 avec les balles de foin sec. Fait que on est super content de ça. On va aller ramasser le restant des bases, je vais fumer en drone, puis on va aller voir les champs, comment ça ressemble, pour érocher, il faudra remettre du fumier. Toute la kit aujourd'hui, donc on se voit tantôt. Où est-ce qu'on a wrappé les balles, on les a enrobées de plastique. Étant donné que c'est du foin à peu près 50% sec, on les a enrobés. On n'a pas fané le foin. Il a resté 2 jours au champ, là, juste d'un côté. Après ça, on l'a raclé, on l'a viré de bord. Puis après ça, il y a une baleuse qui est venue. Donc, c'était un mélange de mille avoine et trèfle et mauvaise herbe un peu à quelques places. C'est pas grave, les vaches vont le manger quand même. Puis pour une première coupe, là, on est très content du résultat. Là. Regardez ça. Comment ça fait beau. On a beaucoup de roches à ramasser, des petites roches puis des moyennes roches. Étant donné que le roteau en a ressorti d'autres, on avait roché 3-4 fois, mais on va ré-rocher ce soir puis d'ici 2-3 jours. On va laisser pousser le tout encore. Et puis on va passer une tondeuse par-dessus vers octobre pour mettre la matière à terre pour faire un genre de lit de chaume pour essayer de cacher le plus possible les roches en dessous pour l'année prochaine. Puis on va remettre une couche de fumier par-dessus en automne et puis au printemps. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, première coupe du nouvelle prairie. Il y a un an, nous autres, on n'était même pas rendus là. Il y avait encore des arbres à quelques places. C'était des tas de branches. Donc, il y a un an, c'était des tas de branches. J'ai remis une vidéo de ça, là, juste avant la vidéo. Comme vous pouvez voir, là, la différence d'un 15 acres en friche, puis après ça on a défiché, ça a pris un an de temps, puis après ça on a pu récolter du foin dessus. Donc merci d'avoir écouté la vidéo, à la prochaine tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner et liker, écrivez dans les commentaires, merci, au revoir.